Salut les amis, c'est WolfPro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'appli web de FUT17 qui est sorti il y a mardi, mercredi. Bon, j'ai lu mercredi je crois. Donc on a déjà commencé l'achat-revente. Je me suis fait on va bien pouvoir commencer quand même avec un petit bénéf comme ça. Donc voilà, j'ai fait quelques équipes. Donc voilà, donc j'ai fait une petite Liga BBVA avec du Diego Alves. Ah c'est ça? Ouais c'est Diego Alves, c'est vrai. Diego Alves, c'est qui lui déjà? Ah oui, tu vois Cancelo qui a des bonnes stats, 89 de vitesse, 75 de défense et tout. Mangala, Rami, Contrao, Casemiro, Touran en MC, Kovacic. Et en attaque Nani, Torres et Serchi. Après j'ai deux autres équipes pour commencer ce FIFA 17. Donc je suis en train de le télécharger avec l'EA Access. Donc là on a l'équipe Ligue 1 avec Durofié. Ça c'est Ricardo Pereira qui a des bonnes stats aussi. Glick, Marquinhos, Maxwell, Krikoviak, Ndoye, Fabinho et en attaque Lucas Balotelli, Ressé. Et ensuite une dernière équipe de BPL avec Ducarius, Icarius, Sanya, Zuma, Ogbonna, Vananal, ah, c'est ça, Vananold. Ensuite on a du Drinkwater, du Mata qui revient en MOC, du Can, de l'EFU, Kane et Nolito. Donc ça c'est les équipes de départ que je me suis faites, mais cette vidéo c'est pas pour ça donc. Ces équipes, je les ai eues en faisant de l'achat-revente. Donc, en ce début de fut, enfin, ce début de FIFA, il y a plein de combos possibles. Surtout que le jeu n'est pas sorti encore. Donc, il va. Ouais, il sort. Enfin, certains l'ont déjà eu. Moi, je suis sur PC, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont encore. Donc, il est sorti dans la nuit. Je l'ai téléchargé, commencé à le télécharger que ce matin, j'ai une connexion vraiment merdique donc ça va prendre assez beaucoup de temps. Donc normalement ce soir je l'aurai, je testerai sans doute vendredi pour une petite vidéo ou un truc comme ça, on verra pour ce week-end. Mais tout de suite on va aller voir pour l'achat-revente. Donc faut savoir que au début il y a extrêmement beaucoup d'erreurs de prix, mais des fois c'est des erreurs juste énormes. Donc enfin, j'ai eu un gros bénéfice, j'ai eu un Leno gardien du Bayern Leverkusen, si je me trompe pas. Je l'ai eu à 10 000 crédits et je l'ai revendu 22 000. C'est vraiment un 12 000 crédits de bénéfice sur un joueur, c'est juste énorme. Donc ouais, donc moi j'aime bien, enfin j'ai chopé ça, donc c'est la Tech 59. Vous prenez un championnat, donc première ligue c'est bien, vous recommencez, il y a plein de bons joueurs, c'est extrêmement bien rempli. Et après vous faites par poste, vous allez à 59 minutes, on a combien, 22, bon là il n'y a pas beaucoup de joueurs, je suis sur PC en plus donc c'est beaucoup moins rempli que les autres marchés. Et donc des fois, faut regarder un peu avant de faire ça, faut regarder les prix des joueurs un peu à chaque poste, combien ça vaut. Là, à 59 minutes, il n'y a qu'un joueur limite. Ouais, voilà, après ça passe à 1 heure, tac. Et donc après, vous regardez, vous changez un peu comme ça pour que ça s'actualise. Et après, si des fois, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent comme ça, et certains ont des grosses... Des énormes erreurs quoi, vous pouvez faire plein de bénéfices avec ça. Donc après on peut changer de poste, on passe au DC, donc il y en aura plus. En plus surtout qu'en BPL il y a plein de bons joueurs. Un Stones qui peut être intéressant, des trucs comme ça. Donc après ça demande du temps, mais c'est l'achat-revente, c'est toujours, faut être patient. Faut choper les bonnes affaires et voilà. Mais après enfin voilà quoi, enfin, je me suis fait ça quasiment 150 000 crédits en une journée, donc et j'ai pas, enfin j'ai pas j'étais pas en train de spammer tout, j'ai pas fait énormément, j'ai juste chopé des bonnes affaires
Voilà, on est qu'à 35 minutes. Il y a beaucoup plus de joueurs, forcément. Ouais, après, on... ouais, après ça, cette technique marche à tous les grands championnats, je pense. Moi, j'ai testé que sur BPL et testé une ou deux fois sur Bundesliga et bah, je suis tombé sur l'Eno direct. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc là, il y en a. Non, ouais, ça, non plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs à 59 minutes. Ouais. Donc voilà, donc franchement, c'est vraiment bien comme, comme jeu. Donc ouais, bénéficiance des transferts, je suis déjà à 160 000. Voilà. Donc cette, là, j'ai arrêté pour l'instant. Ouais, parce que j'étais en train de télécharger l'autre, hein, le jeu. Ça peut vraiment bien marcher, vraiment bien vous aider. Donc sinon après, ouais, y a des techniques sur des joueurs, enfin sur des joueurs plus précis. Donc moi j'ai beaucoup regardé les vidéos de Robert 87000 qui franchement est très bon en achat-revente et donne des bons conseils. Et... ça j'ai fait quelques j'ai la technique 59 qu'il a donné et tout, je l'ai faite. Moi j'ai un peu plus élargi la technique à tout au championnat. J'ai pas trop regardé par équipe, par joueur et tout, mais ça marche vraiment bien. Donc n'hésitez pas à faire ça pour vous aider au début de ce fut. Donc c'est tout pour moi dans cette vidéo. On se retrouvera sûrement ce week-end pour une petite vidéo pour un premier match sur ce FIFA 17 qui a l'air vraiment très intéressant. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux également t'abonner. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire en espérant qu'elle soit prise. Sur ce, les amis, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.